Bonjour, dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut faire les étiquettes pour repérer les différents fils au niveau du câblage de notre armoire. Okay? Donc pour ce cas, on va utiliser l'imprimante Braille. Ici, nous avons notre cartouche. Donc pour l'enlever, ici, on peut l'enlever. Il existe un bouton à l'inverse. Donc ici, on doit la première chose. Ça c'est notre cartouche. Donc la première étape, c'est qu'on doit mettre notre cartouche ici. Ok. Donc ensuite, on va ouvrir notre imprimante. Ensuite, ici, on va cliquer sur les types. Donc ici, par exemple, je vais utiliser câble. Donc je vais faire l'étiquette d'un câble. Ensuite, ici, on va choisir le type de câble. OK. Donc, par exemple, je vais choisir 1,2. Et ici, on va écrire notre texte. Par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, je vais écrire n'importe quoi. T. Donc, je vais effacer. D'abord, par exemple, je vais écrire T1 111. Donc, vous voulez écrire ce que vous voulez. OK. Donc ensuite, je vais aller au size. Donc ici, je vais choisir le size de notre texte. Donc ici, par exemple, je vais choisir 9 gras. Et ensuite, on va cliquer sur imprimer. OK, donc je vais cliquer sur imprimer. Donc vous remarquez ici, il a sorti une étiquette. Donc ici, pour le couper, donc on va cliquer sur on va appuyer sur ce de ça. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre notre étiquette. Donc, voilà qui s'est écrit dans notre étiquette. Donc, pour le faire, on doit enlever ça. Donc je vais l'enlever. Donc j'ai enlevé. OK. Ensuite, je vais prendre notre fil. One printer. Press label type. Use the up or down arrow to move to... Par exemple, on va prendre notre fil. Et ici, on va faire. Voilà. Bon, ici, je le fais pas avec une seule main. Donc, ensuite, vous mettez votre. Bon, si ce n'est pas bien fait, car ici, j'utilise une seule main. Donc, ici, vous faites votre longueur dans votre. Mais bon, c'est pas bien fait, mais bon. Vous entourez. Donc ici, voilà comment on peut faire. On peut faire l'étiquette, comment on peut faire les étiquettes pour repérer les différents fils de notre armoire. Merci pour votre attention.